Nous allons profiter de ces belles tomates mûres avec du bœuf sauté à la sauce d'huître. C'est un plat très simple et rapide à préparer. Mon père aimait ce plat, mélange de cuisine chinoise et vietnamienne. Il se régalait en enroulant dans une feuille de salade de la tomate, de l'oignon et un morceau de bœuf, le tout trempé dans une sauce nem. Voici les ingrédients pour 4 à 5 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web cookingwithmorgan.com. Je commence par mariner le bœuf. Pour cela, je le coupe en fines tranches de 5 mm environ. Je les mets dans un grand bol. Puis j'y ajoute une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de sauce de soja foncé, du poivre moulu, 2 cuillères à café de fécule de maïs ou de tapioca. Je mélange bien l'ensemble, puis je laisse reposer pendant que je prépare les autres ingrédients. Je cisèle 5 g de ciboulette, 1 oignon, je hache 5 gousses d'ail. Je dépose dans une grande assiette les feuilles de salade, l'oignon, les tomates coupées en tranches. Je passe à la cuisson du bœuf. Je mélange le bœuf mariné pour que les morceaux se décollent les uns des autres. Je préchauffe une poêle à feu fort. Quand elle est bien chaude, je mets 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Quand l'huile est chaude, j'ajoute l'ail haché. Je remue. Et quand il commence à dorer, j'incorpore le bœuf. J'étale bien les morceaux et je les laisse griller pendant une minute. Je les retourne, puis je les laisse 30 secondes. Je remue pendant une minute de plus. Je coupe le feu. Je les dépose sur les feuilles de salade. Je parsème avec de la ciboulette. Je sers de la sauce nem dans un bol pour chaque convive.
Bon appétit! La cuisson doit être très brève et sur feu très fort. Chaque morceau de viande est ainsi grillé extérieurement, tout en étant juteux et tendre. Ce bœuf mariné à la sauce d'huître est presque fondant. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison.